On y va, on fonce. Ok, Flopso, tu prends ce sac, tu vas à la fenêtre et tu lui mets le sac sur la tête. Compris. Trotso, tu prends ce sac, tu vas à la fenêtre et tu lui mets le sac sur la tête. Compris. Gueux de coton, tu prends ce sac et tu lui fais le coup du coton-tige. Compris. Ça va, mon grand? Oh, on a eu chaud, hein? J'aurais pu me faire tuer. Et ça aurait pu être pire. T'imagines s'il avait eu des filles? On n'est pas en train de jouer, Pierre. Je sais. Je te demande pardon. Mais bon, finalement, t'as rien. Ah, et j'ai récupéré ta veste. Bon, la tienne est moins symbolique, hein, c'est sûr, c'est pas celle de ton défunt père. Et elle est marron. C'est une faute de goût, vu que tu es marron. Enfin, je veux dire marron sur marron qui porte ça. C'est un peu trop ton sur ton. Oui, il faut dire qu'on a tendance à s'emmêler un peu les marrons. La moitié du temps, on a l'impression que t'es nu. Je me repère avec les boutons, mais ça m'arrive de confondre avec tes tétons. Hein? C'est une clôture électrique qui rigole pas. Pourquoi il lui donne du beurre de cacahuète? Miam, miam! Il veut nous appâter pour qu'on touche la clôture. Ça fait quoi si on la touche? Nous allons bientôt le savoir. Non, Madame Pigdru, revenez! Eh, hey, j'ai 4 ans et demi, moi. J'ai grand besoin de sensations fortes avant la retraite. Vous rincez pas l'œil. Ça y est, j'ai une idée. Vous vous rappelez ce que papa nous disait tout le temps? N'allez jamais dans le jardin des MacGregor. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'il nous disait d'autre? N'électrocutez pas Madame Pigdru. On devrait peut-être essayer de penser à d'autres choses que papa nous disait. Ah oui, du style, ne mettez pas de rouge à lèvres à un cochon. Oh non, 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 c'est du baume. Il est parfum cerise, donc on pourrait penser que c'est du rouge à lèvres. Mais non, c'est du baume. Ouais, ok. Il nous disait aussi, vous ne pouvez pas être plus rusé qu'un renard, donc il faut utiliser sa ruse contre lui. Oh, c'est bon, Madame Pigdru, ça suffit! Oiseau volant avec deux ailes. Et c'est parti. Et zip. Et zip. 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 Zip.
life gives me lemons I make. Lemons I make lemonade. McGregor au tapis. Eh bah, on dirait que t'as remis ça à Pierre. Je vais aller vérifier. C'est bon, son cerveau est cuit. Maintenant, si l'histoire se répète, le camion du glacier avec les lumières qui clignotent va l'emporter. Pardon de t'avoir électrocuté et pardon d'avoir mis des pièges sur ta tête. Pardon d'avoir frotté mes fesses sur ta brosse à dents. Pardon d'avoir quoi? Rien du tout, reste concentré. S'il te plaît, reviens, pas pour moi, pour Béa. Comment savoir si ce n'est pas un piège? Aucun moyen. Tu vas devoir me faire confiance. Nous faire confiance. Ah oui. Vous pouvez vraiment parler. Non. Comme tu l'as dit, tu es zen maintenant. Tu es ultra cool. Et là, tu écoutes la voix de ton cœur. C'est ça que tu entends. McGregor, ouvrez cette porte! Ok, maintenant, écoute ton cœur. Il te dit regarde à gauche, tape un sprint jusqu'à la fenêtre, ouvre en vitesse et fiche en camp d'ici! C'est ainsi que les deux anciens ennemis, accompagnés d'un cousin, traversèrent le pays, unis dans une course contre la montre. C'était dangereux, culotté, compliqué, et dans une histoire comme la nôtre, ce périple avait toutes les chances d'être couronné de succès. Mais revenons plutôt à nos lapins. Attention, accrochez-vous! Tu as dit un jour que tout le monde a une place dans ce monde. Eh bien, c'est ici ta place. Et tu ne devrais pas t'en aller à cause de quelque chose que j'ai fait. Ils étaient avec toi? Oui, ils sont venus à Londres. C'est ça, ils sont allés à Londres. Oui, pour me convaincre de revenir. Pas en parlant, je te l'accorde, hein, c'était sûrement dans ma tête. Quoique, enfin non, c'est pas ça le plus important. Tu ne devrais pas quitter cette maison. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et je t'aime, Béa. Oh. Bah. Tu as essayé de les exterminer. Tu as fait exploser leur maison. Tu as fait exploser ma maison. Je me suis laissé emporter par tout ça, tu sais, emporté par notre guerre. Notre guerre? T'as toujours pas changé de défense? C'est pitoyable. C'est bon, Betty, allons-y. Tout est ma faute. J'en assume l'entière responsabilité. Oh, mon héros! Enfin, il admet qu'il a fait exploser leur terrier. Tu abandonnes la version selon laquelle le détonateur avait été délibérément actionné par ce lapin! Bonjour, Trésor. Qu'est-ce que tu as? Tu as participé à tout ça? Je te l'avais dit! J'ai dû te le dire.